Lorsque vous possédez une mélodie, Pizzicato peut vous aider à la mettre en musique. Voici un exemple pour une mélodie de 4 mesures. Grâce à ces divers outils, Pizzicato vous permet d'écrire la mélodie ou de la jouer directement au clavier musical. Ajoutons une portée de piano destinée aux notes des accords. Pizzicato peut vous aider à rechercher des accords qui peuvent accompagner cette mélodie. Il existe de nombreuses possibilités. Vous pouvez préciser ici la fréquence des changements d'accords. Gardons le choix d'un accord par blanche, donc deux accords par mesure. Pizzicato vous permet de spécifier les accords qui peuvent être utilisés. Utilisons ici les accords majeurs et mineurs de base. Ce réglage permet de laisser plus ou moins de liberté à Pizzicato. Comme il n'y a pas encore de basse dans notre partition, il faut désactiver cette option. Vous pouvez ensuite orienter la progression d'accords vers l'une des tonalités proposées. Cette case permet de placer les symboles d'accords sur la portée. Choisissons de transcrire les accords en notes sur la portée de piano. Afin de ne pas trop limiter les possibilités, désactivons l'obligation d'avoir des notes communes entre deux accords successifs. Vous pouvez personnaliser la manière dont les notes des accords seront générées. Pizzicato effectue alors une première proposition. En visualisant les couleurs des notes par gamme et accord, vous pouvez vous assurer que les choix restent cohérents, car les notes les plus importantes doivent se colorer en vert. Vous pouvez essayer les autres choix possibles avec le bouton droit et les écouter. Supprimons maintenant la portée de piano et utilisons l'arrangeur. Commençons par ajouter une portée de basse. L'arrangeur fonctionne sur base de Do majeur, c'est-à-dire sur l'accord formé par les notes
Do, Mi et Sol. Il suffit d'écrire une mesure de basse en Do majeur, comme par exemple 2 Do par mesure, et de dupliquer cela dans toute la partition. Afin que l'arrangeur ne modifie pas votre mélodie originale, il faut figer la portée correspondante. Activons maintenant l'arrangeur de pizzicato. Les mesures avec fond jaune sont des mesures calculées par pizzicato à partir des notes données et des accords choisis. Vous pouvez visualiser les mesures originales ou calculées grâce à la case C. Ajoutons maintenant un accompagnement de cordes de la librairie. Pizzicato a ajouté les portées et les mesures, et a ensuite adapté les notes de cet accompagnement aux accords déjà présents. Vous pouvez utiliser des structures préparées provenant des librairies de composition, mais vous pouvez également y ajouter vos accompagnements personnels. Ajoutons par exemple quelques notes de harpe. Sur base de la mesure introduite avec les notes de Do majeur, pizzicato a adapté l'accompagnement aux accords.